toutes et à tous, merci de nous retrouver dans le cadre aujourd'hui. Entrez avec nous pour découvrir une jeune chanteuse, une toute jeune chanteuse. Elle a seulement 9 ans et demi. Elle vient de Macheren, près de Saint-Avold. Nous, on l'adore. Alors, je suis sûre que vous aussi. Elle s'appelle Valentina Citro. Quelque chose à dire sur mes cheveux ou le climat. Bien que les deux aillent vers le pire, personne ne se battra pour ça. Tout est encore un peu possible, mais plus personne ne le voit. Les yeux bandés sur l'invisible, demain nous appellera papa. N'attends pas que quelqu'un te dise ce que tu dois ou ne dois pas. Un doigt, ça se lève et ça vise toujours celui qui sait pourquoi. Tu dois continuer de sourire à ceux qui ont profité de toi. Même si ta colère transpire, te prends pas pour Barracuda. Même si ta colère transpire, te prends pas pour Barracuda. Dis-moi quelque chose. C'était Valentina Citro sur la scène du cadre. Bonjour Valentina, viens me rejoindre. Viens la puce, comment ça va? Très bien. On est ravis de te recevoir avec cette jolie et douce voix sur cette chanson de Julien Doré qui s'appelle Barracuda. Oui. Pourquoi tu as choisi cette chanson? C'est ma prof de chant qui l'a choisie. Ouais. J'aimais bien Julien Doré et on ne trouvait pas d'autres chansons, donc on s'est dit on va prendre celle-là. Oh c'est une très belle chanson que tu chantes très bien en plus. Alors Valentina, on va te présenter. Donc, tu viens de Macheren, donc c'est un village près de Saint-Avold. Oui. Tu as 9 ans et demi. Tu fais de la musique depuis que tu as 7 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais tu as commencé donc, d'abord par jouer de la guitare électrique. Raconte-moi, comment tu as commencé à jouer de la guitare? Tout a commencé parce que mon frère a commencé la guitare électrique et acoustique. Et moi, j'ai bien aimé. Donc, du coup, je me suis dit, ça serait super cool de faire un instrument.
Donc je pratique de la guitare électrique, des fois du piano, mais je ne prends pas de cours de piano. Okay. Et après, je regardais The Voice et j'aimais bien du coup chanter. Donc j'ai commencé le chant et ma maman aussi pratique le chant aujourd'hui. Oui, d'accord. Parce que je me disais, donc dans la famille, il y a un peu tout le monde qui fait de la musique, quoi. Ok, donc toi, c'était une évidence pour toi de faire de la musique. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique? Ça te permet de faire quoi? De raconter des histoires? Oui, de transmettre des émotions, de bouger des fois. Voilà. Ok, alors Valentina, donc un destin tout tracé, hein, la musique pour toi. Tu prends des cours de chant, je crois, avec Marina D'Amico. Oui. Voilà, depuis combien de temps? Un an et demi. Un an et demi, et ça t'a permis de progresser. Qu'est-ce que tu penses de ces cours? C'est bien, c'est très bien. On commence par des vocalises et après, on chante. Ok, et tu as pu faire quelques concerts déjà, à ton âge. Qu'est-ce que tu as fait comme concert? Alors, pour Noël, les gros concerts après, surtout pour Noël, on en fait plein. Ok. Et la fête de la musique, la fête de l'Europe, des petites scènes comme ça. Et toi, ça te stresse pas trop de monter sur scène? Non. Non, pas du tout. Non. Du coup, là, ce soir, t'es pas stressée non plus? Non. Oh, d'accord, ok. Toi, t'es à l'aise sur scène, ça se voit. En ce moment, tu chantes quoi comme chanson? C'est quoi ton répertoire, ton style? Mon style, j'aime pas trop l'anglais. J'arrive pas trop bien à chanter l'anglais. C'est plutôt de la musique française. Oui, oui, l'anglais, ça viendra peut-être un peu plus tard, quand t'auras appris. D'ailleurs, à l'école, donc toi, tu es en quelle classe? En CM1? Oui. CM1, d'accord. Ça se passe bien à l'école? Oui. Ouais. Tes copains, tes copines, ils savent que tu chantes? Oui. Tu chantes devant eux, des fois? Non. Non, tu chantes pas trop devant eux? Non, non. Ok. Ça t'intéresserait de passer des concours de chant, de passer à la télé? Ça t'intéresserait ou... Oui. The Voice, par exemple? On pense à The Voice. Évidemment, ce serait un objectif. Mm. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais pour toi? C'est quoi ton rêve? De faire The Voice Kids. Ouais, d'accord. Donc ça, ce serait vraiment ton rêve à toi. Plus tard, tu t'imagines comment? T'as déjà des idées de métier? Tu sais que tu veux faire de la musique ou autre chose? De la musique et autre chose. Peut-être autre chose, voilà. Voilà. On verra. Alors Valentina, pour toi, donc on a sélectionné deux chansons. C'est quelque chose qu'on fait à tous nos invités ici. Donc tu vas les écouter et tu vas me dire laquelle tu préférerais chanter entre les deux. J'espère que tu les connais. Hein. C'est parti. Qui vit dans un ananas dans la mer? Qui compte bien y faire carrière? Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler? Tu la connais? Oui, tu connais quand même. Bon, on s'est dit, on va prendre des dessins animés, puisqu'elle a 9 ans et demi, elle doit connaître un petit peu, donc c'est Bob l'éponge. Évidemment, c'est une blague. Hein. Donc on te fait écouter la deuxième quand même. Voilà Scooby-Doo, nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous attend. Voilà Scooby-Doo. T'as reconnu? C'est Scooby-Doo, forcément, ça c'est un des dessins animés les plus iconiques. Toi, tu as regardé un petit peu? Oui, j'ai déjà regardé tous les Disney. Ah ouais, tous les Disney en plus, donc toi t'es calée. Là, entre les deux, tu choisirais laquelle? Bob l'éponge. Bob l'éponge, ok, ça marche. On attend la vidéo, hein. Tu nous envoies une vidéo dès que tu l'auras travaillée. Peut-être. Peut-être. Bon, Valentina, toi tu as préparé deux autres chansons pour nous. Qu'est-ce que tu as choisi de chanter? De Louane, si t'étais là, et de Maëlle, toutes les machines ont un cœur. Eh bien, je t'en prie. La scène est à toi, je t'écoute. Parfois, je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est le voyage, c'est d'aventure. Une chanson. Sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir. Dormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre.
Si on a peur que je tienne par le cou, je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous, c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Et le monde est fragile, toutes les machines ont un cœur.
c'était Valentina Citro dans le cadre pour nous aujourd'hui. Merci Valentina pour ces deux jolies chansons. Très, très, très joliment chantées. Je pense que ta maman, elle doit être super fière de toi. Et puis Marina aussi, qui est ta professeure de chant, qui doit être fière de toi. À mon avis, elle va te regarder. Oui. Tu t'es amusée ? Oui. Ouais, tu reviendras nous voir ? Oui. Bon, en tout cas, nous, on espère qu'on va te voir peut-être un jour sur TF1 dans The Voice Kids. Il faut continuer à travailler et je pense qu'il n'y a pas de raison. Merci, bonne continuation à toi Valentina, et merci d'être venue. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les mardis pour découvrir de nouveaux talents. À bientôt.